Coldplay. Chris Martin officialize son idyll. Avec electrice Dakota Johnson. Est cela un lieu d'indissu à la nature de la relation? Electrice Dakota Johnson a été persuadée ans les cols seed and as deniers concerts de Chris Martin. Regardez images. Prize en flag. Ou, Dakota Johnson, est grout out sol. Depuis plusieurs semaines, la tôle les affoles. Et pour cause, de nombreuses rumeurs ont évoqué un début d'idylle entre Chris Martin, le leader du groupe Coldplay, et l'actrice Dakota Johnson, Anastasia Steele dans La Sage 50 Nuances. Le mois dernier, les deux stars ont en effet été persuadés complices les d'un diner en tête-à-tête dans un célèbre restaurant japonais de Los Angeles. Si pour certains, il n'y est que cette lacune d'un simple repas entre amis, pour d'autres, cela n'y faisait déjà plus aucun doute. Les deux stars sont en couple. Voici ainsi qu'aud parle de nouvelles photos viennent confirmer si quelques rumeurs. Les deux derniers concerts de Coldplay dans un stade de Buenos Aires, plusieurs fans argentins ont aperçu la jolie Dakota Johnson et n'ont pas hésité à prendre des photos et autres vidéos d'eux, si nécessaire. Electrice de 28 ans a donc bien assisté au concert du beau chanteur britannique depuis la régie son et la mienne. Tes concentrés, tes admiratifs plus sourire olives, la jolie brune semblait apprécier le spectacle. Certains fans sont malus jusqu'à penser que Chris Martin a dit la chance en a sky full of stars à l'électrice de 50 nuances, comment moin la vidéo se décessu. Malgré des indices concernant un éventuel idylle, Dakota Johnson et Chris Martin demeurent encore tes discrets sur la nature de leur relation. Mais, on sait que Chris Martin est un cœur à prendre. Depuis sa séparation avec l'actrice Gwyneth Paltrow en 2014, il a vécu une brève histoire avec l'actrice Jennifer Lawrence, puis avec Annabelle Wallace. De son côté, Dakota Johnson revendiquait une femme libre. Je pense qu'il y a quelque chose à dire sur la façon dont la société incite les femmes à se mettre en couple. On devrait donner de l'importance à leur développement personnel et intellectuel. Les femmes devraient voyager, apprendre et faire ce qu'elles veulent au lieu de chercher un home.